Et salut YouTube, comment ça va? On joue à ce petit jeu que tu connais peut-être qui s'appelle Dark Souls. Nous explorons, ou Dark Souls, si tu veux mettre l'accent. La dernière fois, nous avons exploré cette forêt enchantée, ce petit bois, ces petits bois, et nous avons rencontré un gros chien-chien que nous avons fini par châtier à coups d'épée de main dans la tronche. Et on est très content. On va continuer l'exploration de ce lieu. On avait rencontré des chachas pas très agréables. Et on va essayer de voir ce qu'on peut en tirer. Toi là-bas, tu dis si je t'embête, hein. Allô? Allez, amène-toi. T'as fini, oui. Oups. La bonne blague, c'est que je tape assez fort pour te faire mal, même à travers ton bouclier. I'm the invisible man, too. Drôle de technique, mais pourquoi pas? Non, toujours pas. Il est inutile de t'acharner. Hop là. Bon, les humains c'est fait, le chat qui sursaute c'est fait aussi. On va pouvoir s'attaquer aux autres chats. Ceux de tout à l'heure qui faisaient des miaou et des ronrons pas très agréables. Alors, hop. Il y a les hommes champlards, mais bon, on s'en fout un peu. Il ne pose pas de problème. Je crois qu'il n'y avait rien de spécial là-bas. Hormis des miaou. Il y en a un, il y en a deux. Une corniche là-haut. T'as une méthode d'attaque assez spéciale, mec. Hein. Toi, je m'en fous, casse-toi. Je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que si je te laisse te barrer, tu vas me poser des problèmes. Peu importe. Ah mais demi-nous ensemble, ça va pas être possible.
Oui. Pour l'instant, Dark Souls gagne quand même le prix de la modélisation de chat la plus dégueulasse du monde. Je pensais qu'on pouvait pas rendre un chat non mignon, mais ils ont réussi. Fini. C'est original. Alors voilà. 2000 quand même. Attends, Ramcha, il essaie de tricher pour défendre sa caste. Ses compères, ses comparses. Bon, en voilà deux. Je crois en avoir repéré un troisième la dernière fois. Et quand je dis je crois, c'est je suis sûr à 95% d'en avoir vu un troisième. Il n'y a pas de bonté ici. D'accord, nous voilà revenus ici. Nous voilà revenus de ce côté, qui descendait vers l'hydre. On va monter. Descendre me semble une idée toute pourrie. Cet homme ne pouvait plus rien supporter. Bon. De ce côté-là, on avait vu des espèces d'hommes fungus. Des gros d'ailleurs. Ok. Mais il y a ce passage avec cette plante lumineuse. Écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour de l'endroit. Je déteste avoir cette sensation d'être suivi par des bestioles. Est-ce que de ce côté-ci, il y a encore des trucs? Non, je pense pas. Non. Bon. Mais pour moi, on a fait le tour de la forêt. On va pouvoir retourner vers. Je t'avais pas vu toi. Is it not so that thou art new? Thou fared well to find me. Et tu as bien fait de me trouver. Mais ne viens-tu pas pour la tombe de Sir Artorias? Mon vrai conseil, oublie ça. La légende d'Artorias n'est rien qu'une fabrication. Traverser l'obscurité? C'est une un conte de fées. Respecte-toi. Ne va pas taper partout pour rien, ce que je dis. Non. Je vois. Un résultat plutôt. Je t'ai dit connerie. Oui, je t'ai dit des conneries. T'es pas pour autant. Très bien. Mais peu importe.
Je ne me laisserai pas dicter ma conduite par un matou. On va pouvoir retourner du côté de Lordran. Aller voir notre forgeron préféré. Améliorer notre équipement. Excusez-moi. Et nous préparer à rentrer enfin dans cette future forteresse. Puisqu'à la base, quand même, c'était ça qu'on devait faire avant le grand détour qu'on a fait par cette forêt. Le deuxième effet qui scroule, qui fait le taf. Couché, toi. Bon, on s'est tapé quoi? L'hydre. On s'est tapé le loup. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'il y avait dans cette forêt. On a récupéré du matos. Plein de matos. Et nous revoilà à la paroisse des morts-vivants. Hello Dédé, comment que ça roule? Ouh, c'est un arbre rare que tu as là. C'est l'arbre d'un forgeron divin. Si tu veux bien me donner, je pourrais former des armes divines avec une flamme telle pas, telle que celle-ci. Oui, je te fixe ça. Modify equipment, claymore plus 7. Alors si je veux améliorer mes armes. Ça, il me faut des twiglings titanite, c'est pas la peine. Ça, il me faut des larges. Je peux le passer en plus 8. Pas de raison de s'en priver. Est-ce que je peux améliorer l'armure? Knight armor, knight helm, elite knight. Le 16. Je suis quand même assez. Pour l'instant, ma Crimson est quand même pas mal. On a quoi? Crimson Rumble. 32 en physical, c'est quand même pas mal du tout. Eastern est meilleure, mais elle pèse ultra lourd. Shadow Garb, c'est tout pourri. Holo Thief aussi. Stone Armor, c'est très bien, mais ça pèse une tonne. Knight, non. C'est mieux en défense physique, mais bon. Là, c'est quand même mieux en physique. Un peu moins bien en magie, mais ça perd quand même beaucoup de fois portée. 33, 19, 24. Ouais. 17, 18, 15. Par contre, bonne résistance au saignement. Mais toujours trop lourd. Du coup, on va rester avec notre Crimson Robe pour l'instant, qui est beaucoup plus légère. Regardez. Et en route. Allez. On va essayer de trouver le passage vers Lordran, la ville au-dessus. La dernière fois qu'on a essayé de rentrer, on s'est pris un piège dès le début. Mais alors vraiment dès le début, et on a perdu une bonne partie de notre vie. Ok, là il y a une plaque à pression. Et des hommes serpents, très bien.
Ah, ça c'était pas... It was not prévu. Je sais pas ce qu'il file un poison si jamais je le perds pas ça. Ouch. Non même pas. C'est juste mal. À un moment faut savoir prendre le taureau par les cornes, le serpent par les écailles, etc. etc. Vous ne m'inspirez pas confiance, vieux chevalier. Je peut-être un peu parano, ok. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors après, il va falloir me limiter un petit peu plus nos passages. Ah, il y a un truc qui nous lance des boules. Des bouboules! Ouch, ouch, ouch! Bon. Futu serpent. Et 45e mort, évidemment. Bah c'est reparti hein. Allez. Alors ils sont là-haut. On voit au moins. Très bien que je trouve le timing un jour sur ces paroles. Ça peut me servir, mais quand même. C'est vraiment au moment de l'impact, hein. Ok, très bien. Alors, hop là. Lui, c'est bon. Non, il va servir de traverser ce passage sans se faire allumer parce qu'il me balance des trucs en haut.
C'est bien censé qu'il est mort ce truc. Je le vois pas, mais oui, probablement. Ah, là-haut. Ok, je te vois. Je sais que tu es là. Ouais, t'es là, tu m'arranges pas. C'est bon, il est mort? Oui. Oui, il a lâché un truc. Ouais. J'ai entendu le déclic comme de la plaque au même moment. Grosse titanite. Très bien. Eux, ils ont toujours rien à voir là-dedans. Ouais, alors là. Mais si tu me dis qu'il n'y a rien, je ne te crois pas un seul instant. Oui, bah oui, évidemment. Ah, ok. Lui, il est tellement tentant que ça sent le piège. Bon, bon, bon. Cet endroit m'a l'air plutôt inhospitalier. Alors, donc il y a le magot là-haut. Ça lâche des boules. Et là-bas, il y a un trou. Ok. Ok. Là-bas, il y a un passage plus bas. Va falloir timer ça. Maximum équipement, boost défense, force physique à l'attaque. Bah oui. Des trucs plus bas, mais je sais pas comment y accéder. Bon, on traverse la lumière. Ça va carrément dissiper. Alors, ouais. Donc là, il y a une plaque à pression. On va essayer de sauter au-dessus. Alors, elles viennent d'où les grosses boules?
Elles viennent s'éclater comme ça, très bien. Donc il va falloir remonter les escaliers, je suppose. Wow, c'était tendu. Ok. Il y a moyen de changer la direction des boules. Très bien, très bien, très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un magot. Très heureux. Enchanté. Et là-bas, il y a le truc qui est tombé dessus tout à l'heure. Du coup, super là. Ah, tu vas avoir une surprise, toi. Ah non. On est d'accord, je peux pas sauter, c'est beaucoup trop loin. Il y a un pont, il y a un passage. Ah, mais là, il y a un passage aussi. Avec des plaques à pression. Est-ce que c'était de la moule? Oui, complètement. Ouais, t'es toujours pas un vrai. Je voudrais un bonfire. Ils sont plus sensibles à mon attaque rapide qu'à mon attaque lente. Ce qui m'arrange, je vais pas me plaindre. Ce qui est plutôt inattendu. Ok, il y a un magot là-haut. J'entendais pas un autre monsieur qui est de se balader. Oui. Le petit backstab qui fait plaisir. C'était pour moi, ça me fait plaisir. Une grosse titanite. Deux grosses titanites même. Par contre, j'ai toujours la grosse dèche des astuces. Est-ce que je flippe? Un petit peu. Ah, c'est pas vrai. Hop, putain. Non, non. Si. Raclure de bidet. 46e mort. Et celle-ci est bien chiante. Bon. Bah, c'est reparti. Et non, c'est à peu près ce qui nous attend, donc on va pouvoir essayer de le faire.
Par contre, je sais pas comment on va récupérer nos âmes, puisque on est tombé à un endroit que je ne maîtrise pas. Je sais pas ce que c'était. Rien de tel qu'une bonne attaque déloyale dans le dos. Pour perdre toutes ses âmes. Trop pressé. Trop pressé. Bon, bah au moins il n'y a plus d'enjeu, c'est bien. On va y aller, l'esprit serein. Ce que j'aimerais, c'est quand même pouvoir avoir un peu plus de résistance. En voilà deux. Si j'oublie de parer, ça va pas le faire du tout. Bon, match nul pour rapidité. En voilà deux autres. Ça a dû faire très très mal, ça. Ah, il y a un passage là-bas, d'accord. Du coup, faudrait remettre mon levier correctement. Qu'en effet, du coup, là, c'est bon. Et là, vous êtes très nombreux quand même pour une petite corniche. C'est pas du juste. Rien de tel que acheter.
C'est les malins, mais c'est pas par là qu'on monte. Les bon, c'était pruneau. Ce qui veut quand même dire que normalement on doit pouvoir descendre par là. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, ça tombe ici. Donc il y a bien un serpentaquin qui nous a redirigé le truc dans la tronche. Un petit peu de loulou, ça fait jamais de mal. Ouch. Oui. Parce que là-bas, on est déjà d'accord que du coup, ça nous a libéré un passage. Ça ne s'ouvre pas de ce côté, donc c'est un raccourci qu'on va pouvoir ouvrir plus tard peut-être. Et ça s'ouvre de ce côté, c'est déjà ouvert. Bien, bien, bien. Est-ce que nous avons ça quelque chose? Les fourbes. De toute façon, on aurait dû prendre une potion avant. Abritix. Huitième mort. On tient le bon rythme. Je pense qu'on est bien dans une logique de Dark Souls. Là, on avance, on meurt, on avance, on meurt. Magnifique. Oui, bah oui, surtout ne part pas. Hein. C'est très surfait. L'avantage c'est qu'ils sont pas hyper rapides, t'as moyen de les prendre en travers. C'est retip à...
pour le coup, il n'aura pas trop fait long feu. Ce qui m'arrange plutôt. Est-ce que tu me lâches une flamberge? Bien. Les 316 des Grados. J'ai vu une bouboule, mais je pensais que c'était pas pour lui. Là-bas. Oui, mais là-bas, je ne sais plus. Oui, c'est d'où je viens, je suis con. Oh là là, ça y est, il perd le sens de l'orientation. Bon, donc ça c'est bon. Voilà. On était mort dans le coin comme un couillon. D'accord, t'avais pas fini de passer. Glouglou. Là non plus. Bien sûr, bien sûr. On aurait pu être tellement plus efficace en tournant de côté. Bleu des serpents, hello, Tancred, comment vas-tu? Comment que ça roule? On a quitté la forêt toute pourrie pour nous rendre dans le domaine des serpents. Dans cette forteresse qui devrait nous mener vers la suite du jeu et vers Lordran. Si un jour on y arrive, ça fait déjà quelques fois qu'on y meurt à cause des pièges, des ennemis et de ma stupidité profonde. Pas forcément dans cet ordre d'ailleurs. Alors oui, là où on était mort dans le coin, pas de ce côté-là, de ce côté-là. Nous étions morts ici. À cause de cette bonne blague qui dit que bouh, la plateforme de remonte est éclate ta roue. Faut qu'on évite de passer. On va essayer de voir en bas ce qu'il y a. Des Wenti. Oui, absolument. Ils sont pas trop fait chier pour le bestiaire dans ce coin-là. T'es qui, toi? Tu as l'air lucide. Quelque chose de rare ces temps-ci. Je suis Logan. Un petit peu embêté, comme tu peux le voir. J'ai une super idée. Imaginons que tu puisses me libérer. Je suis vieux et j'ai rien dans... Je n'ai rien, mais je pourrais te payer avec ma reconnaissance de sorcellerie. Cet endroit détruit mon esprit. L'inactivité est très mauvaise. Très bien.
C'est fermé. Bon. Bon, bon, bon. C'est verrouillé, on n'a pas la clé. We don't have the key. Tu veux rien me dire de plus, toi? Allô? Non. Est-ce qu'il y a d'autres trucs en dessous? Non. Mais c'est pas un endroit qu'on a déjà vu, ça. Ça y ressemblait, mais ce n'est pas le cas. Ah, je suis sûr, on a massacré quelqu'un là. Donc lui, c'est complètement un endroit qu'on connaît. J'espère que ça va pas réactiver le mécanisme dans ce sens-là. Ça a l'air d'aller. Non, c'est pas en dessous. C'est par là. Ouais. Bon. On va essayer d'avancer quand même. Putain. Quarante-neuvième mort. Celle-là, je l'ai pas vu venir, dans tous les sens du terme. J'aimerais savoir pourquoi le mécanisme s'est remis dans ce sens-là. Remis pour faire lulu. T'aurais pas pu marcher sur le piège là? On meurt de temps en temps, mais on explore quand même globalement, donc ça va, c'est pas non plus la grosse cata. Mine de rien, on avance. Pas beaucoup, pas très vite, mais on avance. Hop, le pénitent le passe. Bah, il est où lui? Normalement, il y a un mec là. T'es caché où? Bon, toi, t'es là. C'est habituel. Calme bien, toi. Du coup, quenouille sur cette esquive. Voilà. C'est bébé qui fait dodo. Voilà. Il manque la moitié. Ah ouais, non, j'allais dire. J'allais dire qu'il manque la moitié des mecs, mais c'est juste le jeu qui a pas eu le temps de charger. Oui, de toute façon, c'est par ici assez vite. Chaque fois, il faut que je me prenne. Tiens. Ok, il m'a remis mes âmes là, pourquoi pas. C'est original.
Ah oui, avoir le passage incriminé, évidemment. On va se la prendre dans la gueule, évidemment. Voilà. Fallait bien que ça arrive. Voir ce qu'il y avait là-bas. Un passage avec un sorcier. Ok, et le trou qui va être la fin du chemin pour lui. Là, il y a un coffre, autant dire que ça pue l'arnaque, mais d'une puissance nucléaire. Voilà. Putain, c'est un mimique. M'a surpris ce con. M'a un petit peu surpris. C'est parti. Bon, c'est bien, YouTube, tu assistes à une heure d'épisode où tu as revu 5 morts à peu près, 5 ou 6 morts. Ton quota de sang est-il été rempli? Du sang pour le dieu du sang, des crânes pour son trône, tout ça, tout ça. Et à nouveau, on remercie la détection des collisions. En même temps, j'aurais dû me méfier du mimique. Hein, ce coffre qui m'avait l'air bien peu gardé. J'ai dit, tiens, pas de piège avant un coffre. Ben non, pas besoin. Le coffre était le piège. Hop, ça c'est réglé. Alors lui, le suivant devrait se faire bloquer par les lames. Non, moi aussi, je me suis fait bloquer par les lames. Voilà. Pas passer loin de la correctionnelle. Ok, donc lui, il s'est pris un bouboule dans la tronche. Ça va trancher, chérie. Je m'en doutais que ça allait revenir par ici. Non, t'étais activé, toi. Mais ce serait bien que vous déclenchiez les pièges aussi de temps en temps. On remercie le caméraman. Sans qu'il rien de tout cela ne serait possible. Une grande épée d'homme serpent.
On se prépare à rusher. Oh, le timing parfait pour une fois. Tiens, j'en ai plus, c'est pour toi. De pouvoir descendre comme ça, du coup, et lui retomber sur la tronche. Aïe! Quand il n'y a rien, ça me fait peur. Des habits de sorcier. Ce qui vont pas trop me servir. Ce qui m'ouvre un raccourci vers le contrebas. Où est-ce que je suis là? Donde estami? Oui, je démarre là comme un con. J'essaie de redescendre et retourner vers notre ami le mimique. Vu qu'on a des âmes à récupérer. Oula! Je m'attendais pas à ce que tu fasses cette taille-là. T'as dû prendre du Benko. Une lance d'éclair. Alors là, si je me rappelle bien, ça nous éclate sur les pics en haut. LOL. Mais je pense que c'est la seule sortie, parce que sinon. Des pics au-dessus. On avance. On a récupéré nos âmes. 17 000, ça fait plaisir. On va vérifier qu'on se les prend pas par là. C'est bon. Poursuivons. Alors, il y a un garde-serpent ici. Laisse-moi passer. José, le caméraman a encore failli venir à bout de ma personne. Par là. Ouais, j'ai pas envie de t'arriver dans le dos à un moment ou à un autre.
Ok. Bon, on a pas mal exploré. Est-ce que c'est pas là qu'on était mort? Si. Oup là! Je t'ai vu, petite plaque à pression. Attention, une marche. Voilà. Bon. Et une porte de brume. J'espère que ça mène un feu de camp, s'il vous plaît. Dites-moi que oui. Oh non, c'est l'air d'être un gros monsieur. Il y a l'air d'avoir un très gros monsieur en face. Je sais pas de quoi ça regarde. Ah d'accord, celui qui charge le truc. C'était quoi ça? Ah d'accord. C'est faut pas le prendre comme ça, hein. C'est pas ce que je voulais faire. Alors, y'a un truc qui me balance des gros bidules dans la gueule. Ah putain. Mais c'est pas grave. Y'a moyen que j'ai 2 secondes de répit. Ok, donc là non. Si on y va tout doucement, peut-être qu'il ne nous verra pas. Si je ne le regarde pas, il ne me... Il me voit. Allez. Allez, gros monsieur. Non, bah non. Ah, sûrement pas. Un feu de camp, par pitié. Oh, putain, il y a José l'Archi qui m'attend en plus. Oh là là. De se calmer, oui. Tiens. Non mais où? Et la pierre du Ricard. Non, toujours pas. Te fous pas de moi. Mais c'est où la suite? Toi, t'as l'air legit. Une bénédiction divine. Un anneau rare du sacrifice. Mais tout ceci ne me dit pas où est-ce que je vais pouvoir se regarder.
Il y a un gros monsieur en bas. Il n'y a rien qui ressemble à un feu de camp dans le coin et ça me rend très triste. D'accord, c'est un cul-de-sac. Je voulais ramasser un truc. Rose titanite. Très bien. Ouais, je sais pas si tu vas encore me balancer des trucs si j'approche. D'accord, c'est donc toi le gros monsieur qui me fait des blagues. Ouais, c'est bien, c'est très bien tout ça, mais je... Ah, si, bah oui, là-bas. Faut arrêter d'être con aussi à un moment. Mais il y en a partout, bordel. Il y a des moments où ça s'arrête. Bon, toi, t'étais un petit sbire de base. Moi, je voudrais un feu de camp. Et là, y a rien. Je vais pas me taper le gros monsieur du haut quand même, comme ça, pour rigoler. Pour gaulerie. Alors il y a un gars là-bas. Il y a un gros monsieur en haut, comme prévu, en effet. Une lumière. Pense pas que ce soit une bonne idée. Non, ça c'est là où il y a le gros monsieur, donc non. Là ça pue le boss. Oui, absolument. Bonjour, ce serait pour un feu de camp, s'il vous plaît. C'est le mec qui lance ses pots là, hein. Sauf que mon avis, au corps à corps, il est pas très rigolo. Ouais, voilà. Ah d'accord, à travers le mur, ok. Tu le prends comme ça.
Non, bah non, je vais pas te traverser toi. Le derrière qui m'attend, il. C'est pas possible, tu fous de ma gueule, il y a forcément un truc pour sauvegarder quelque part. Vous êtes pas à ce point-là des raclures. Enfin, si, vous êtes à ce point-là des raclures, évidemment, mais. Parce que toi, tu vas me défoncer. Très belle vue d'ailleurs, petite vue sur le bourg des morts-vivants contrebas. Mais ça m'arrange pas. Le gros qui envoie des machins. Là-bas, j'ai pas la distance pour sauter. Là, ça fait boum et ça fait mal. L'admirance fantôme qui fait scrooge. Bon, bah, au pire, on foncera contre le golem et puis on trouvera bien notre feu de camp plus tard. Hein. Je veux dire, il me reste pas de vie, qu'est-ce qui peut mal se passer? Non mais sérieux, il balance des trucs de feu aussi. Je lui fais que dalle. Ça va mal se passer. Voilà. Voilà. Et ben, c'est en se faisant éclater contre un mur que YouTube, je te dis des bisous, à la prochaine. Et puis, bah. Je vais me traverser. Je vais me sortir. Ça va être une galère. Bisous. Salut.